La France a tué Internet. Le premier modem date de 1958, avec une puissance limitée à 101 bits secondes. Pour télécharger cette vidéo, il te faudrait 6 mois. Pendant la décennie suivante, les armées du monde entier créaient leur propre réseau. ARPANET aux États-Unis, NPL Networks au Royaume-Uni, Cyclade en France, à sa tête, Louis Pouzin. Un génie, inventeur de la console de commande, du shell et du multitasking, les bases de l'informatique moderne. Il conçoit un protocole d'échange de données révolutionnaire, qui donne au réseau français une longueur d'avance. On est alors à deux doigts d'inventer l'internet moderne. Mais non, les politiques ne suivent pas, laissent mourir le projet et préfèrent investir massivement dans le Minitel. Quelques années plus tard, les Américains lancent leur réseau, celui qu'on utilise tous aujourd'hui. Un succès mondial, construit sur une version améliorée de l'invention de Louis Pouzin. C'est triste de se dire que...